Demain, vous pourrez tout commander à distance, y compris votre voiture. C'est ça, et pourquoi pas livrer à domicile tant qu'on y est. Hein, fils? Écoute, Christine, on va monter tous les deux, tu vas prendre quelque chose qui va te calmer, parce que ah, là, non, franchement... Non, 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 mais c'est pas moi le problème, c'est toi. Moi, je fais très bien. Et toi qui dis rien, qui fais rien, qui trouves toujours tout formidable. Ah, mais putain, ta fille se marie. Ouais, les mères normales trouvent ça extraordinaire comme non, moment. Non, mais laisse tomber, pas. Bordel, pourquoi faut toujours que tu caches tout, toi? Comment vous vous sentez, Madame Alix? Mon instinct de flic me dit que vous avez vécu une sacrée journée. Hop, 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 doucement, doucement. T'es pas français, toi, hein? Passeport, là. Vous devez l'arrêter, là. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Listen. My phone, I have phone. Yes? And guy going and the day can go! Hey, on est en France ici, alors tu parles français. Passeport, j'ai dit. Putain, c'est encore un clandestin, là. Comment ils arrivent jusqu'à Paris? Doucement. Il est blanc, lui. Et alors? J'ai eu Bercy au téléphone, il me confirme que suite à l'arrestation de Miss Lamou, on a une augmentation de 73% du pouvoir d'achat. On a eu immédiatement une baisse de 84% de la criminalité et... Cerise on the cake, Johnny est vivant. Christine, pose cette arme s'il te plaît. Christine, tu m'entends? Pose cette arme. S'il te plaît, je sais que tu veux pas faire ça. Tu m'entends? Maman! Pose! Christine, s'il te plaît, c'est entre nous, d'accord? Laisse les enfants en dehors de ça. Je t'en supplie, pose cette arme. On fera tout comme tu veux, d'accord? On fera comme si c'était rien passé. S'il te plaît, pose cette arme, Christine. Justement. C'est rien passé. Non, non. Mes amis m'ont tous dit, mais pourquoi tu prends pas l'avion? L'avion c'est top, c'est rapide, et blablabla. Mais mes amis ne savent pas le plaisir que j'ai à conduire ma nouvelle Tesla. Non mais franchement, pourquoi je m'en priverais, hein? Si c'est pour louer une voiture moins bien que la mienne sur place. Ben oui, cette année, c'est l'année du road trip.